18, דף קכ"ט עמוד ב', שבת, שפיד 18, פאז' 129 ב', ראש שוכור אל עילוי נשמת נפטרים רבי אברהם בן ג'מילה, רבי דוד ניסים בן אישון, רבי דוד בן אסתר. ילמו לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, לרבי אהרון בן סוליקה, בנימין בן שמחה, חיים בן רחמונה, ורות אלכסנדרה, אסתר חיה בת לונה פטריסיה. Amar Shmuel, pour ça des damas, c'est à peu près la sixième ligne. Pour ça des damas, kol tladin yomin. C'est-à-dire, quelle est la fréquence de la saignée, combien de fois il faut faire la saignée. Alors il dit, la fréquence c'est tous les 30 jours. La tienne du min. Tous les 30 jours, faire une saignée. Ben Aprakim, Yemaet, c'est-à-dire Ben Aprakim, quand il passe à un âge supérieur, il doit faire moins de saignées. Par exemple, jusqu'à 30 ans, faire une fois tous les 30 jours. À 40 ans, il faut deux fois par mois. Une fois tous les deux mois, je veux dire, une fois tous les deux mois. Et quand il passe à 60 ans, une fois tous les trois mois. Et c'est-à-dire Ben Aprakim, quand il passe à un âge beaucoup supérieur, Yemaet, il doit diminuer la fréquence des saignées. Il doit diminuer la fréquence des saignées. ובין הפרקים יחזור וימעט. ואמר שמואל, שמואל די פורסה דדמה, חד בשבתה, ארבעה, מעלי שבתה. אבל שני וחמישי, לא. Bon, Shmuel, il dit, quels sont les jours favorables dans la semaine pour faire la saignée? Est-ce qu'il y a des jours qui ne sont pas favorables? Alors, il dit, pour ça, des damas, Had Beshabeta, le dimanche, et Had Beshabbat, le dimanche, Arba, mercredi, ou Maale Shabbeta, et le vendredi. Avashini Bahamishi, l'eau. Mais le lundi et le jeudi, non.
Pourquoi? Il y a un marmore. Le maître a dit, Mi shiyeshlo zechut avot. Celui qui a zechut avot, le mérite des ancêtres, et il peut s'appuyer sur le mérite des ancêtres. Yakiz dam bashini bahamishi. Il pourra faire la saignée le lundi et le jeudi. Pourquoi? Chez Bédin, chez le malade, chez le matin, Shavin Kehat. Parce que le Bédin, chez le matin, chez le malade, chez le matin, depuis Takanat Ezra, Ezra a institué que le lundi et le jeudi, le Bédin est ouvert dans les villes. Pourquoi? Parce que tout le monde vient au souk pour faire le marché. Et comme il y a des occasions comme ça de voyager, si quelqu'un est indifférent avec son ami, il se présente à Bédin. Et le Bédin, le lundi et jeudi, c'est ouvert ici-bas, mais est ouvert aussi en haut. Et alors, s'il fait une akaza, pendant ce jour-là, où on est en train de juger, et de juger tout le monde, alors il pourrait, parce que sa situation, elle est fragile en ce moment, il pourrait être jugé sévèrement, à moins qu'il ait. Zéchout avot. Zéchout avot, continuez. J'attends. S'il a zéchout avot, alors en ce moment, il pourra s'appuyer sur zéchout avot. Qu'est-ce qu'il nous reste dans la semaine? On a dit le vendredi. Vendredi, oui. On a dit le dimanche, mercredi et vendredi. Ouais. Mardi, c'est mardi, on n'a pas parlé. Voilà. Alors, Bitlata Bishabta, Maïta Malo. Pourquoi le mardi, on ne doit pas pratiquer la saignée? Tu ne l'as pas dit, tu ne me l'as pas expliqué. Oh. Alors, il dit, Mishum, de Kaimale. Ma'adim Bezavi dit parce que Ma'adim, c'est l'astre, la planète Mars. Kaimale Bezavi. Et là, n'est-ce pas, Bezavi, c'est-à-dire comment on appelle ça, quand il y a de dualité. Je répète. Bitlata. Bishabta, le mardi, le troisième jour de la semaine. Maïtama lo, pourquoi on ne pratique pas la saignée? Alors il lui dit, Mishum de Kaimale, Ma'adim Bezavi. Parce que Ma'adim, la planète ou l'astre Mars, on sait que Mars, c'est une planète
qui commande les guerres, verser du sang, faire des guerres, faire des disputes terribles, et alors faire pratiquer une saignée. Un moment où Mars est là pour favoriser les querelles et le versement de sang, ce n'est pas du tout indiqué. Alors, mais quand est-ce qu'il y a des avis? Des avis, c'est-à-dire des heures qui sont paires. Et ça, des heures paires. Des avis. Alors, il dit, « Ma'alé de Shabbatan amikaima des avis. » Le vendredi aussi, la planète Mars, elle est là pendant les heures paires. Si vous voulez, je vais essayer rapidement, mais prenez note si vous voulez. Je vais lire Rashi qui nous explique exactement comment sont les astres, comment ils sont distribués, comment elles règnent dans la journée. Alors, lisez Rashi. De Kaimale, Ma'adim Bezavi. Suivez Rashi. Shemazal Ma'adim Meshamesh Bo Beshaot Zogot. L'astre Ma'adim Mars Mishamesh, il sert Bishaot Zugot pendant des heures paires. Mazal Ma'adim et l'astre Mars Memouné, il est désigné al ha'herev sur l'épée, ve al ha'dever sur l'épidémie, la por anouyot et por anouyot, ce sont des châtiments ou des désastres, ve hazugot kashin, et les pères, c'est toujours dur. On a prié dans Masechet Psahim qu'un homme ne doit pas boire deux verres de vin, ne doit pas manger deux œufs. Toujours un père. S'il veut manger plus que deux, il va manger trois. Boire trois, pas deux. Parce que les mazikim, font du mal à celui qui s'attache au père. Qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis. Je me sers des olives, je prends trois ou un ou plus, mais pas deux. C'est ça. Pas 2, pas 4, pas 6, pas 8. Non, non, non. Pas plus que 2. Donc 4, c'est bon? En principe, oui. Mais c'est un père. Mais le père ici, c'est 2. Quand il y a 2. Parce que, regarde. Là-bas, dans ma sérette, Sahim, ils disent quand il a pris 2, ça ne fait rien. Il n'a qu'à ajouter parce que Yvarecha Shem Vishmerecha. En disant Vishmerecha, tu as un troisième.
S'il a pris 4, Yair Hashem Pana Velecha, Vehuneka, il y a 5. Tu passes à 5. S'il a pris 6, Issa Hashem Pana Velecha, Vehashem Lecha, Shalom. 7. Donc ça, c'est l'antidote pour les paires de 4. On continue. Pourquoi les zougot kashin shehen reshut la shedin? C'est le domaine des mazikin. Ken kidamar vipsahim vehapur anuyot. Pas seulement les mazikin, même les châtiments, les pouranouyot. Voilà, il va nous expliquer comment les astres ont été placés. Shenitlu hameorot vehamazalot. Quand le mercredi, qui est le quatrième jour de la création, puisqu'il y a eu le quatrième jour de la création, il y a eu les Me'orot, les astres. Alors, avec les astres, il y a eu aussi toutes les planètes, toutes les planètes. Alors, Shinitlo a Me'orot et a Mazalot. Sha'arishona, Shel Rebi Beshabbat, Shimesh Shabbetai. Sha'arishona, c'est-à-dire, quand le jour commence, il commence la nuit. Donc la première heure, c'est Shabbetai. Shabbetai, c'est Mercure. Jupiter. Bashniyat Sedek. La deuxième heure, c'est Sedek. Je ne suis pas sûr que c'est Shabbetai qui est Jupiter. Peut-être c'est Zedek qui est Jupiter. Il faut voir. Veharab Madim. Donc la première heure, c'est Shabbetai. Deuxième heure, c'est Zedek. Troisième heure, Ma'adim. Mars. Harab Hama. Le soleil. Saturne. Shabbetai, c'est Saturne. Saturne. C'est bien. Alors, Bashini Harav Hama. Shabbatai, c'est comme Saturne, c'est comme Saturday. Shabbatai, Shabbat. C'est bien. Une façon pour se rappeler. Harav Noga. Harav Kochav. Noga, c'est il faut voir quels sont les termes. Harav Kochav, il y a 7. Et 7, ça s'appelle comme ça. Shatsam Hankal. Shatsam Hankal. Shabbetai, Tzedek, Ma'adim, Hama, Noga, Kochav, Levana. Ça va? Alors, ça commence comme ça. Première heure jusqu'à la septième. Après la huitième, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la première. On revient à Shabbetai. Et c'est toujours un roulement. Nimseu Sheva Mazalot et Sheva Shahot. Donc les 7 Mazalot servent pendant les 7 premières heures. Vechodrim Halila Leolam. Et on continue comme ça, n'est-ce pas, le cycle de Olam à jamais. Nimsa beseder ze
לעולם סימני המזלות המשלישים בתחילת תלי השבוע. Alors, quand tu veux savoir au début de chaque soir quel est le kohav, quel est le mazal, alors Motsai Shabbat, Sha'arishona, Shelo, c'est kohav. Kaf. Sha'a Sheniya, Tzedek. Non, l'Elchini. C'est-à-dire, si on fait comme ça, le mercredi, la première heure, on a dit on commence par Shabbatai, suivi de Tzedek, suivi de Madin, ensuite Hama, ensuite Noga, Kohav, Levana. Et on répète. On répète jusqu'à arriver à jeudi soir. À jeudi soir, on va se retrouver et regarder les Shinit Sedek, Ren Seder, Azel Seder, Tilat Yemane Ayamin. Quand on continue comme ça, après les sept, on revient au début jusqu'au soir. Quand je dis les mercredi, disons la première heure jusqu'à la fin de la septième heure. Nous avons les sept. Puis la huitième heure, on recommence de nouveau. Pendant quatre heures, on va arriver à quoi? Hama, après Hama Noga. C'est-à-dire le lendemain matin, le jeudi, on va se retrouver à Noga. Et on continue Noga jusqu'à Levana. De Noga, Kohav, Levana, ça fait 3. Et 7, ça fait 10. De nouveau, on recommence. Pour arriver au début de la nuit, il nous faut 2 encore. C'est Amadim. Vous voyez comment ça marche? On continue et on arrive à l'astre. Il n'y a rien là-bas comme... Je suis en train de chercher. Il y a un tableau dans la Gemara en anglais. Il y a un tableau avec les jours et les heures. Schottenstein. C'est simple de faire le calcul. Tu as quelque chose, Charlie? Oui, mais je prends la photo et je la mets dans le et je l'envoie. Okay. Je veux prendre une photo. Non. Tu arrives? Oui, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé au groupe. David, tu le vois? Oui, je vais le mettre. Voilà.
Regardez. Les heures. Alors, il a commencé par samedi. Sunday, Monday. À gauche, c'est samedi, vendredi, jeudi. Je pense qu'il commence à droite. Ouais, mercredi, c'est Shabbat. Sunday, Monday. Le premier mercredi, c'est Shabbat, c'est Chine. Voilà. C'est Shabbat. C'est ça le commencement. Je ne suis pas ici, là. Ça, ici, là. Wednesday, voilà. Non, non. Non, Shabbat, ça attend mercredi matin, la première heure. C'est en levant au milieu. Prends mercredi. Mercredi, Shabbat. Ouais, Chine. Tu arrives mercredi? Si je bouge, ça va bouger le truc. Oui, c'est la première ligne en haut. Allô, Dodo. Oui, Rabbi, un moment. On va essayer de faire quelque chose de mieux. On peut faire ça comme ça. Je vais prendre la photo. Je vais arranger ça. OK. Voilà. Ça commence le mercredi. Ici, là? Oui. Tu vois? Oui. Alors, tu descends. Tu as Shabbatai. Oui. Ensuite, Sedek. Oui. Ça va? Ensuite, Ma'adim. Hama. Noga. Kochav. Levana. Oui. Et on recommence, Shabbatai, Sedek, Ma'adim, oui. Ça va, Hama, et Levana qui est là. Noga, Kochav, Levana. Alors, Rabbi, comme vous avez dit, la troisième, il reste trois pour la nuit. Voilà. Et il le met en français, le même, Madai. Ici, là. Ouais. Le Madaï de la dixième heure. Alors après ça, il reste trois encore pour la nuit. Il y a le Madaï, le Chet et le Noun, et Noga. Hama et Noga. Ensuite, on va le matin. Oui, voilà, ça c'est trois. Ça c'est des Shaot. Les Shaot. C'est les Shaot. Tu as de 1 jusqu'à 12. Pour la nuit, de 1 oui. Jusqu'à 12 pour le matin. Oui. Ensuite, encore une fois, on a le cycle de 7. Alors, maintenant, si on veut savoir quelle est la première heure de chaque jour, et la première heure, c'est la nuit. Pour samedi, c'est Kochav. Pour samedi... Voilà. Ça, c'est samedi ici, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Samedi, c'est là-bas. Voilà, samedi. Alors, tu as là-bas Ma'adim. Oui. Hama, Noga, Kochav. Voilà. Tu as en premier Ma'adim. Oui. Bon. Ça va? Vendredi. Lamed, c'est quoi? C'est Levana. C'est quoi ça? C'est Levana. Lamed, c'est Levana. Ça, c'est vendredi. Et ça, c'est Levana. Voilà. Et pour jeudi, c'est Hama. Ouais. Jeudi, c'est Hama. Oui.
Maintenant, mardi, la première heure, c'est Noga. Noga. Lundi, la première heure, c'est Tzedek. Tzedek. Et dimanche, c'est Kochav. Kochav. Maintenant, les matins, on va prendre à partir du 1 en bas. De 1 de la journée, ici. Voilà. Okay. Alors, on va aller à gauche, à gauche. Shin. Alors, c'est Shabbatai. Oui. Le vendredi, c'est Noga. Oui. Ça, c'est Tzedek. Et le jeudi, Tzedek. Voilà. Et le matin du mercredi, c'est Kochab. Ensuite, on a... Mardi, c'est Ma'adim. Ma'adim. Levana. Lundi, c'est Levana. Ensuite, dimanche, Hama. Hama. Ça va? Alors, toute l'astrologie est basée sur ça, non? Comment? L'astrologie est basée sur ça? J'ai pas très bien compris. Pardon, j'ai dit, est-ce que l'astrologie est basée sur ça? L'astrologie, ils vont dire quel est l'ascendant. Et l'ascendant, c'est l'astre qui est clair en ce moment. Oui, mais cette information, on peut l'avoir, cette information, nulle part d'autre que de la Torah. Mais oui. Une personne normale ne peut pas arriver à cette connaissance-là. La Torah t'a donné l'astronomie, tout. Alors, on continue avec Rashi. Elle dit, « Shimane ayamim halam kens » C'est Hama, Levana, et même Ma'adim, Kochav, Tzedek, Nun, Senoga, Shin, Shabtai. Ça va? Mais il a commencé dans... Ah, je vois. C'est ça. Voilà. Rabbi, pourquoi ils appellent la Kochav, ils appellent ici Mercure. C'est pas une étoile, Kochav? Ben, c'est Mercure. C'est voilà. Ça, Rabbi, Halam, Ketz, Nash? Katsen... Non, tu fais jeudi, vendredi, samedi, ça fait Halam. Non, et après... oui. Dimanche. Non. Dimanche. On commence toujours par mercredi. Non, mais si tu fais jeudi, vendredi, samedi, ça fait Halam. Jeudi, il est là. Mais pour la première journée. Oui. Ah, tu veux commencer par la nuit ou par le jour? Non, je commence par le jour, c'est comme ça. Oui, c'est Halam. Katznesh ou Katznash. Quand tu veux savoir les heures du jour, oui. Quand tu veux savoir les heures de la nuit, quand ça commence. Mais cette façon de mémoriser Halam Katznash, ça c'est quand ça commence en journée là. C'est ça. Il est juste là, et on l'a ici là. Ouais. Et la première heure de la journée, c'est quelle heure, Rabbi? Comment? La première heure de la journée, c'est quelle heure? À partir, regarde, ça commence comme ça. L'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Ça fait 12 heures. Ah, ok.
Et de la sortie des étoiles jusqu'à l'autre, ça fait 12 ans. 12 ans, ok. Voilà, c'est pour vous dire qu'on détermine où se trouve Ma'adim. Essayez de revenir. Ah. C'est ça ce qu'il est. Voilà. Alors, il lui dit, mardi, il y a aussi Ma'adim. Le voilà Ma'adim. Là, ici. Là, ouais. Et tous les mêmes, ils sont foncés. Voilà. Ma'adim. Alors, il dit... Il y a un autre ici. Le mardi aussi, il y a Ma'adim. Deux fois. Alors, il lui dit non. C'est pour cela que le troisième jour, on ne doit pas faire. Ah, il est là aussi. Ça va? Alors, il lui a dit, mais le vendredi, il y a Ma'adim aussi. Oui. Regarde vendredi. Deux fois Ma'adim. Le voilà, le Ma'adim. Il est à la 11e heure. Tu le vois? Oui, oui, il est juste là, Rabbi. Alors, il dit, même Ma'alé de Shabbeta, même le vendredi qui est l'avant le Shabbat, Ken, il y a aussi Ma'adim Bezouzi, Bizavi. Alors, il lui dit que Vande Dachoubé, des Dachoubé, Rabim, Shomer, Petaim, Hashem. Du fait que plusieurs ils ne tiennent pas compte, alors on dit Shomer, Petaim, Hashem, Akal Shubakou, il garde, il préserve les Petaim, ceux qui sont naïfs. Ils vont d'une manière candide, ils Amen. Font les choses. Mais Amar Shmuel, c'est demain. Non, c'est ça, le vendredi, ça c'était samedi. En tout cas, c'est un tableau intéressant. Mais. Mais il est deux fois aussi le lundi. Mais lundi, on n'a pas pris compte. Et jeudi, on ne prend pas compte. Comment? On a dit lundi et jeudi, on ne prend pas compte parce qu'il y a le Bédine. Parce que Bédine. OK. Shabbat, y a pas, on ne fait pas, même s'il y a le Ma'adim deux fois. Et vendredi, ça, on ne prend pas parce que ça, c'est... Là où on le fait, c'est le dimanche. Oui, il y a mercredi, juste un seul. Et la veille du Shabbat. Mais mercredi, il y en a deux fois aussi, Ma'adim. Oui. Mais pas dans des heures. Regarde, il t'a dit des heures paires. Ah. Des heures paires. Ah, ok, ok. Ok. Ouais, à 10 heures et 12 heures. 10 heures et 12 heures, c'est des heures paires. Il y a 2 heures aussi. 6 heures. Il y a 10 heures. Ah. Ok, donc le dimanche, on peut le faire parce qu'il y a 2 heures impaires. Voilà. Comment ça? Dimanche, tu es là. Dimanche, c'est à midi. C'est à minuit ou 12 heures. Ouais, 12 heures et 5 heures. Où tu vas, 5? Tu as deux en haut, tu as un même dans l'heure impaire. Ah, ok, je vois. Alors, quand tu as comme ça et comme ça. Je crois. Et en 7 heures aussi, c'est un numéro impair. Il y a 7 heures le jour, il y a un même. Tandis que dans les autres, voilà. Dans les autres, par exemple, le lundi, c'est dans le 2. Dans le... C'est pair. Mais et le 9? Il y a le 4. Oui, mais il y a le 4 aussi. C'est égalité 2-2. Alors que lui, on ne fait pas attention à celui-là? Mardi, tu as. Mardi, père. Tu ne le fais pas. Non. Parce que tu as déjà un dans les pairs. Ouais.
On dit que c'est deux paires là, ouais. Kvod Rav, est-ce qu'on peut demander une question, s'il vous plaît? Oui. Ok. Est-ce que de nos jours, quand quelqu'un fait une prise de sang, ça s'appelle Hakazat Dam? Ou c'est un peu beaucoup moins? En principe, oui. C'est Hakazat Dam. Est-ce qu'il doit faire attention, comme on a étudié maintenant, d'aller spécifiquement mercredi ou dimanche? Si il a le rendez-vous comme ça lundi, c'est... même s'il sait, il a appris. Tes hommes. Hein? Merpetaïmachem. Ok, merci. Voilà. Hazaku Baruch Rabbeinu, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. C'est le tableau qui est important.